Bonjour YouTube, il est temps d'aller voir Caïn, d'aller voir un peu ce qui se passe, soit sur le chemin, le nouveau chemin, soit d'essayer de trouver ce qui se passe avec la porte de Debs 2, parce que pour l'instant on n'a rien compris. Merci Giluxo pour le sub, des gros bisous. Merci Shigeno pour les 2 mois, quel plaisir de voir ce rush. Quel plaisir. Tiens, tiens, tiens. Ah bon, on ira voir Azazel après si vous voulez. Ok. On ira voir Azazel plus tard. Déjà, je suis content d'avoir réussi les 2 défis de mort, là. K1. J'ai pas de dormir. Oui, faut que j'aille dormir après. Mais... C'est rien, ça. C'est rien, ça. Là, je suis à 4h30 en une journée, là. C'est bon. La tristesse de ces shops. Bon, ça va être reverse. Ils vont pas laisser les shops comme ça, c'est pas possible. Hein. Il y a legit rien dans le shop. Hein. C'est quoi les mouvements de ce truc? Je comprends rien. Et Mardi Goobit avec le nouveau double perso. Putain, j'en veux pas. Hein. J'en veux pas de Jacob Issou au Garou Goobit. J'en veux pas. Comment tu mets ta save à 0? Tu fais écrase file. Si tu veux remettre tes sauvegardes à 0, tu fais écrase file et t'en supprimes une. Dans le jeu. Oh. On a combien d'heures de jeu là aujourd'hui? On approche des 12 heures. En vrai, on s'en fait pas plus que 12 heures aujourd'hui. J'espère juste que la porte de Debs 2, c'est pas un truc chiant à mettre en place. Et si c'est le cas, en fait, tout ce qu'on va devoir faire dans les prochains jours, ça va être de faire de la mise en place de run chiante. Mais avec 200 succès. 200 succès manquants. 200 succès manquants. Il y a quoi? Il y a 17 personnages actuellement. Donc sur les 17 personnages, si on rajoute chacun... Le passage plus potentiellement une autre fin, ça fait 34. Il y a les nouveaux persos qui ont toutes leurs marques à eux, donc on doit atterrir dans les 60. Potentiellement un personnage en plus, on atterrit dans les 80. Ça fait quand même plus de 100 succès à côté, quoi. Merci, petite méta, d'offrir un sub à Repentance Delicious. Merci beaucoup. C'est bien ça. C'est comme le non-anniversaire, c'est tous les jours. Ah merde, t'as joué Léozitrone, ça y est, t'as joué à Repentance. Aïe aïe aïe. En vrai, il y a des trucs speedrun friendly. Hein. Si, si, je promets, j'en ai... Oh non. Je promets, j'ai vu des trucs speedrun friendly. Au moins un truc. Il y a au moins un truc qui est speedrun friendly. Il y a peut-être un ultra gridier. Non, non. Non, non, le grid mode, ils y ont pas touché. J'espère bien. Hein. Bien, ouais, j'ai pris un coup contre Monstro, quoi. Mais elle est chiante! Y'a Monstro qui m'a mis un taquet, quoi. The R. Mais quel connard. Aïe 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 aïe. Y'a plus le vrai Monstro. Ah si si si. Bien sûr. Y'a ton HUD qui est parti sur la droite de l'écran, quelqu'un saurait ce qu'il faut faire. Mais t'es allé voir là-dedans, là, les HUD offset. Voir si tu l'as pas mis trop loin. Bon, du coup, il faudrait tenter d'avoir le couteau.
Et pas de l'emmener au mausolée, mais de l'emmener à Debs 2. J'y crois pas trop, mais... Faut bien tester quelque chose, hein. La porte de Debs 2, là, faut bien tester un truc, hein. Elle ressemblait un peu à un miroir, la porte de Debs 2. Imagine le cauchemar, emmener la forme The Lost jusqu'à là-bas, hein. En full mirror red. Ça fait beaucoup, un peu là, non? Ça change rien. T'as HUD, t'as essayé de genre quitter le jeu? C'est bizarre ça. Un petit bug là. T'as essayé genre de sauvegarder en quittant la run et en revenant, en quittant le jeu, revenant comme ça. Merci MacFurz pour le sub, bienvenue MacFurz. Ces magnifiques nouvelles alertes. Tu as ramassé ton badge, bien vu. GG. Merci Guiluxo tout à l'heure aussi, hein, pour le sub, j'espère n'avoir pas plus que 6 minutes de retard. Faut que j'aille dormir. Hein. Faut que j'aille dormir là. Mais le jeu il est bien, ouais. Il est dur. Hein. Yes. T'as trouvé? S'il te plaît, va pas dormir. Ah mais si si, bah si, t'as un messie. Maximum minuit, je suis parti. Hein. Grand maximum minuit. Hein. Parce que demain, je veux me lever pour y jouer toute l'après-midi et le soir aussi. Mais sans me lever à 8h du matin en ayant dormi 4h. Donc je pense que demain, je tiendrai un peu plus la route. Mais bon, pour une première journée, plus de 12 heures de stream, c'est ce qu'on voulait voir. Hein. Ah, c'était le problème du deuxième joueur. Okay. Non, mais pas ça. C'est vraiment le pire mob, ça. Ils les ont remis tel quel, quoi! Mon Dédé! Oh non! Oh! C'est juste les bombes surprises, ça. Nancy bombe, random blast plus 5 bombes. Les chopes en carton, c'est pire que ça, là. Les chopes, c'est horrible, hein. Y a vraiment plus rien dedans. Hein. Quand tu vois un bon chop, t'en vas... Wow. Les mouches qui tournent autour du pot là. Hop, point, 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 point. Ouais, shop, on veut 3 objets parce qu'en mode hard, tu peux avoir une version du shop moins bonne que celle que t'as débloquée avec tes sous, quoi. Juste comme ça. Hein. C'est une ref à The End Is Nigh, ça, je connais ça. Ça sert à quoi tuer les poissons? Oh, lui, on l'a jamais affronté vraiment, je crois. Oh, oh, oh. Oh, la phase absolue du boss, quoi.
Ah puis il était obligé de prendre l'ulti hein. J'ai l'impression. Binky Memories. Yes. Pourquoi j'ai acheté ce jeu? Panique, mais dans deux jours, tu connais tous les patterns, tu vas te balader pareil qu'avant. Je suis pas sûr que ce soit une question de pattern pour le coup. Les patterns, c'est pas ce qui me dérange le plus. Hein. Oh, ridiculon, ce taf. Binky devait pas de la speed avant? Non. Merci Docteur Épine Frine pour les 39 mois de sub. Des gros bisous. Merci. Et Thor Majorana qui offrait un sub à MaxB tout à l'heure. Merci beaucoup. T'as testé Abaddon sur Bethany pour la science. Mais faut pas faire ça. Vous savez très bien ce qui va se passer. Vous le saviez au fond de vous que vous alliez mourir. Hein. Et vous y êtes quand même allé. Quoi cette salle de merde? Et depuis quand c'est autorisé ça? Mais attends, parce que j'ai quand même un damage up et un tears up là. Enfin non, j'ai double tears up. Et 4.20 de damage. Mais genre, tu vas me dire, je galère sur les monstres là? Oh, les ics, je pense que peut-être on refait demain avec l'OST du jeu, mais maximum après-demain, l'OST du jeu, elle a disparu. Hein. Elle n'existe plus. Ah. Je peux pas appuyer sur R, moi je me suis interdit d'appuyer sur R. Après oui c'est toujours possible hein. On a eu le couteau, si tu veux faire toutes tes runs au couteau ça a l'air faisable hein. Le couteau il a l'air bien hein. Pas vu le feu blanc. Allez, vas-y. Ah, les shops, c'est chaud quand même, c'est chaud. Deux fois d'affilée, le shop nul. C'est que ça a l'air trop simple d'avoir les shops nuls. En fait, c'est tellement rare d'avoir le shop normal. Et genre, je me rappelle pas une seule fois avoir vu genre une machine de reroll au shop. Aujourd'hui. C'est chaud un peu. Ok. L'item room est loin, 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 loin. Loin. Ça aurait pu être des mouches jaunes. Le lait. Oui, j'aborde. Oui, j'aborde, c'est mieux. Normal, t'as vu zéro machine également en 4 heures. Faut qu'on fasse The Lost, mais autant ce stuff avant en fait. Autant aller chercher le stuff d'abord. Qu'est-ce qui justifie le nerf aussi vénère des shops? Bah pas grand chose, en fait les shops étaient vraiment forts sur Afterbirth Plus, ça je suis d'accord. Mais à ce compte-là, tu pouvais nerf. Tu pouvais nerf les shops en réduisant pas mal les chances d'avoir des machines de roll au shop. Mais là, le problème, c'est tomber sur des shops où il n'y a rien dedans. C'est pas cool, cool, quoi. C'est un ouf, là. Hein. War of Babylon.
peut prendre, on peut prendre. J'ai des ressources, mais j'ai pas de shop. Le jeu est plutôt généreux avec les consommables. Ouais. Oula. C'est nouveau, ça. Les bombes sataniques, là. Empereur Karn, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Là, j'ai une run avec beaucoup de consommables, mais peut-être parce que je joue Kane. Alors qu'en vrai, dans les autres runs, on avait quasiment rien. Et des fois, il te reste qu'une clé, tu mets la clé dans le shop, il n'y a rien dans le shop. T'es en mode, bon bah yes, beaucoup de plaisir. Attends, est-ce que ça nécessite de repasser par une salle avec full merde là. Mais l'item room, elle est juste là, en fait. C'est gratuit. Ça fait quoi le feu blanc? Bah ça fait ça, on se transforme en The Lost et... Et ensuite on peut parcourir le même monde en mode miroir pour aller chercher des trucs. Et notamment la première partie du couteau. Ça vaut le coup que je revisite. C'est que je retenterai bien le boss, mais... Au pire, je peux en prendre carte si ça se passe mal. Je sais pas, j'ai un peu peur quand même de refaire le boss du début. Chill. Les commandes sont pas miroirs, non, heureusement. Putain, mais l'envoyer sur la gueule quand même. Quoi. Il était tellement énervé, lui. Tears up. Ah, mais c'est un tears up un peu particulier, lui. Patrisagion plus IPCAC. Ah merde. Les mauvaises synergies. Je sais pas comment on déverrouille l'accès aux étages alternatifs. En fait, moi j'ai utilisé une save 1 000 000%. Du coup, je sais pas à partir de quand ça se débloque sur une nouvelle save. Mais ils avaient bien dit que c'était genre mid-game. Donc, ils conseillaient aux gens de commencer avec un truc un peu... Un peu avancé, une save avec quelques trucs. Si je casse le miroir de l'autre côté. Ah, j'avoue, je sais pas. Tu restes bloqué. Tu restes bloqué là-bas, tu dois te tuer. Hein ? What ? J'ai 3 cœurs. J'ai 3 cœurs, j'arrive aux mines. Je vais pas aller à Depths 2. Ouais, pour ça, il me faut le couteau en entier. Je veux tester d'avoir le couteau en entier et d'aller à Depths 2. La première partie du couteau, je la trouve à Downpour 2. Dans le miroir. Les jambonneaux. Le jambon. La jambonnade. Battu Blue Baby 5 fois et toujours rien. C'est peut-être plutôt lié, comme dans Antiburst malheureusement, au genre au nouveau boss. Je sais pas. Les boss qu'on rencontre ici. Non.
Y'a no way. Cassez-vous. Ah, la musique des mines, ça va peut-être être la seule OST de Mudes qu'on va pas regretter parce qu'il y avait le fameux bip horrible. Hein. Ça part vite. Ça part un petit peu vite quand même. Tableau hors glace, oui. Ça, je sais pas ce que c'est. 4,5 volts, beat the juice out of them. Ouais. Ces bombes-là, elles ont l'air si vénères. Je vais faire de la merde. J'ai la ref. Comment ça, vous avez la ref? Vous pensez que c'est la ref à Bob Ross, là? Beat the devil out of it? Mais quel rapport avec la batterie? Quel rapport? J'ai pas la ref, hein. Ah, Beetlejuice, ah! C'est un film que j'ai pas vu. Oh yes. Stem cells. C'est déjà ça. C'est déjà ça de prier, à vrai dire. Il dit qu'il voit pas le rapport, hein. Un petit rocher marqué là, un petit truc, un petit queue truc. Tuff Twin. Toi, je l'ai d'aime. Un petit con. Saint-Oual. Saint-Oual. C'est bien. Cassons-nous. Oh. T'entends répéter depuis ce matin que le jeu est très dur. Normalement, je vois qu'une seule death sur le HUD. C'est juste lui qui est trop fort. Bah, il y a un peu de tout. Il y a un peu les 3600 heures de jeu, plus le fait que j'avais déjà joué en T-Burst, plus... le fait que j'ai eu quand même des runs qui finissaient plutôt bien. Mais j'ai frôlé la mort plus d'une fois déjà. Hein. On est mort qu'une fois, mais on a frôlé la mort plus d'une fois. Et le truc, c'est que j'ai 3600 heures de jeu et que j'ai quand même joué au jeu à haut niveau, entre guillemets. En tout cas sur le streaking et la façon de jouer très défensive qui permet de rester en vie longtemps. Et malgré ça, bah je galère, tu vois. Donc j'imagine pas ceux qui n'ont pas l'habitude, tu vois. Là, je commence à fatiguer, donc c'est pas improbable que je prenne une dingue bientôt, là. Surtout que je viens de perdre un cœur bleu entier en deux salles en parlant. Là. En plus, j'optimise rien du tout, je suis le pire joueur. J'ai tué les deux, je voulais en tuer qu'une. Ça, c'est vraiment my bad. Je viens de perdre 3 cœurs, 3 touches en 3 salles. Non, pas ça. Pas les charbonnades. Pas les charbonnades, pas les jambonnades non plus. Oh.
Je commence vraiment à me dire que le seul vrai moyen de jouer au jeu, c'est de prendre faire un étage parfait. Et comme t'as un étage parfait, t'as 10 de luck et tu stonks, quoi. Sans ça, le mode hard, c'est trop chaud, en fait. Sans le 10 de luck, tu peux pas jouer au jeu, hein. J'ai même pas utilisé mon sablier bleu dans la salle où j'ai perdu le cœur bleu. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille dormir, hein. C'est n'importe quoi, ce que je fais, là. Pas évidemment, hein. Petite baise. La petite baise. La petite baise. Mais pourquoi? Du coup, on est garanti que c'est celle-là? S'il te plaît. Oh, s'il te plaît, quoi. Putain, les shops. Non, les shops, c'est chaud. Les shops, dans 2 jours, j'en peux plus, hein. Les shops avec rien dedans, dans 2 jours, j'ai envie de tout péter, quoi. Je peux tenir deux après-midi comme ça. Le sablier a changé de couleur, hein. Attendez qu'on le recharge, voir un peu ce qui se passe. Non, ça va, il se charge. Juste un effet visuel. Je vais pas se partir d'une fresh save. Non, je me tâtais. C'est vrai que je me tâtais et finalement je me suis dit non. Bah, je regrette pas, hein. Il y a déjà assez de taf à faire avec le nouveau contenu et... je sais pas, le hard mode a l'air tellement... Il y a plein de choses du hard mode qui ont l'air quand même assez unbalanced encore et... Il y a des choses que j'aurais pas eu envie de refaire avec le nouveau hard mode, tu vois. Momzai. On voit peu de nouveaux objets, je trouve, aussi, hein. Faut attendre un patch pour les avoir, je pense. Ils sont tout ce qu'on veut dans cette run, peu importe qu'on la perde ou pas, ce qu'on veut c'est le couteau. J'ai pas de bombe ici, je peux pas. Ok, bah super. Ah, peut-être en revenant tout à l'heure. Tout ce qu'on veut. C'est vérifier si le couteau fonctionne à Depth 2. Les objets, faut back le Kickstarter. J'avoue, faut back 4 Souls, là. Merci, Icouteau, pour les 3 mois Prime Gaming. Icouteau de cuisine, Icouteau de salle à manger. Aratristard, merci pour les 37 mois Prime Gaming. Docteur Epinephrine, merci pour les 39 mois de sub. Putain, je fasse gaffe quand même ici, hein. Surtout que je peux pas utiliser mon objet. C'est vraiment le plaisir. Moi qui étais en mode, oh c'est du bonus. Bah ouais, ouais. Ouais, gros bonus, ouais. Oh bien wesh ça. Et ça, comment je le chope, ça? Putain, j'ai le seum. Bon, j'ai le koutal. La gotte de koutal. Ça arrête jamais de brasser, hein. J'ai décédé. C'est l'angoisse, ce truc. J'ai peur que ça devienne rébarbatif. En vrai, on a pas vu tant de... Enfin, on a vu des patterns différents à chaque fois, mais ça reste quand même...
Je sais pas à quel point il y a des patterns différents, quoi. Ça se trouve, au bout d'un certain nombre de fois, on l'aura gratos. Oh, j'ai pas de speed. J'ai fait une bombe en or. Ah bah mon cochon. C'était la mouche violette, je l'ai eu, c'était complètement broken. Très très fort. Très très fort la mouche violette. Ah c'était pas ça hein. C'était pas ça qu'il fallait faire, hein. Dommage. Oh là, oh là là, oh là. Non, non, non. Barrez-vous. Mais putain, mais ça met des dégâts, ça. Ça n'a aucun sens, en vrai. Ça n'a aucun sens que ça mette des dégâts, ça. Le jeu, il invoque legit 30 mobs autour de toi. C'est un plaisir. On va peut-être dû essayer d'avoir d'huile. Hein. En tout cas, faut pas les tuer en premier. Après la fin avec The Witness, là, ça montrait la statue de Méga Satan qui. Enfin, la statue de Satan qui chuchotait à des trucs à Isaac. Est-ce qu'il y a un monde où les statues de Satan nous donnent un bordel pour aller là? On a pas d'indice particulier pour l'instant, j'ai l'impression. Ah, le couteau c'est fort, hein, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, casser le jeu, ça a pu être trop possible, hein, clairement. Du vrai hard mode pour le coup, oui. Oui, 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 ah oui, oui. Ah oui, oui. Oh non. Non, mais attends, la salle elle existe déjà sans eux là! Putain, il faut qu'ils les mettent en plus quoi! Jean 40 araignées! Le hub des pilules. Bah, disons que j'ai fait deux games avec les pilules, quoi. Non, en vrai, la poule de pilules est un. Les poules de pilules sont meilleures dans le sens où tu peux pas te retrouver avec une poule full négative ou moyenne pilule. T'auras obligatoirement au moins des bonnes pilules, mais bon. Pour le taux de saloperie que ça me rajoute, en vrai. J'appellerais pas ça un vrai up, quoi. Je trouve ça un peu audacieux de dire up des pilules, mais je dis juste qu'elle devrait être comme ça de base, de là à dire que tu peux vraiment les jouer, bon, ça reste la chatte. Quoi. Ah par contre, pour PhD, normalement ça devrait être pas mal. Ouais. C'est un bon up de PhD, l'équilibrage des pilules. Là. Oh non, j'ai fait une erreur. J'ai tué le mob, j'aurais pas dû.
CFD gagne toujours plus. Oui, non, mais avec les pools de pilules qu'on avait jusque-là dans le jeu, malgré PhD, tu te retrouvais avec souvent la blinde de pilules qui servent à rien. Qui sont neutres, en fait. Ça, normalement, ça devrait plus arriver. Pff, un vrai shop, oh là là. Hype. Hype. Un vrai shop. Oh là là, un vrai shop. Je sais plus ce que ça faisait en vrai. C'est pareil, on n'a pas vu une machine de reroll ici. Hein. Je sais pas si on peut encore en voir. Par contre, ce qu'on vient de voir là, c'est craqué. Il y a bien des crânes marqués du coup. Oui, ça, c'est un crâne marqué, ça. Non, on est d'accord. Hein. The Fool. Ah, The Fool peut être pas mal pour me faire revenir. Si jamais je peux aller voir le Devil Deal et revenir là. Babadabadabadabadam. Oh, le couteau est si fort. Il est si bon. Il y a moyen de retourner au mausolée depuis Debs 2, je crois que oui. Hein. Si jamais j'arrive pas à faire ce que je veux là. Putain, même ça. Même ça, tu la nerfes. Même la mouche bleue, elle a été nerf. Même la putain de mouche bleue, elle a été nerf. Ça arrête jamais. Un nerf pour deux up. Ils sont où les up? Ils sont où les up? Ils sont où? Sur les monstres, hein. Où sont les up? C'est où? J'espère vraiment un truc là. Dommage. Quoi? Hein? J'ai payé avec le négatif? Mausolée 2. Hein? Attends, on va voir ce qui se passe, hein. Peut-être que c'est pas le même mausolée, hein. J'ai payé avec le négatif, j'aurais pu payer avec le Polaroid aussi, je comprends pas. C'est une référence biblique. Parce que ça vient de la Bible, Isaac. J'ignorais.
Bah, je comprends pas si c'est un truc mandatory ou si c'est genre un... Ok, ok, les vraies salles de merde. Ah, ça, c'est pas trop mal, ça. C'est pas une vraie salle de merde, en fait. Oui. Oui, oui. Léo, c'est pour toi. Oh, le cauchemar, hein. Ils mettent une petite pression, hein. Mais attends, parce que je comprends pas. Tu vas chercher Polaroid ou négatif. Et si t'arrives à revenir en arrière, tu peux aller quand même au mausolée. Mais c'est dans quelle situation en fait? Si là, il n'y a pas un nouveau truc. Mettons là, il n'y a rien de nouveau. Ça te permet, si jamais t'as pas les cœurs bleus, à échanger pour aller au mausolée. Tu peux quand même aller au mausolée si jamais t'as une carte de téléportation pour revenir en arrière. Mais du coup, tu perds le Polaroid ou le négatif. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est pas clair, clair. Portail infini, ça, à mon avis. Hein. Si tu vas pas les baiser, ça ne s'arrête jamais. Ouais, les portails n'apparaissent plus que dans The Void, sauf les nouveaux qui sont pires. Bon, on va prendre le nouvel objet du coup. Hein. It hurts, no it doesn't. Ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Vous payez le DLC, ensuite il est gratuit. Hein. Meilleure solution pour avoir le jeu gratuit, vous payez le jeu et ensuite il est gratuit. En fait, ça permet de dodge le coup en cœur, mais... Je sais pas, la mécanique me paraît chelou, en fait. Oh, tu tires vite. Oh, tu tires vite, toi. Ouh, toi, tu vas prendre un nerf. Ouh, toi, tu vas pas rester comme ça. Peut-être que Polaroid amène ailleurs. C'est vrai que là on a testé avec le négatif, ça emmène au mausolée, mais... J'ai failli m'en prendre une là. Le Polaroid sera envoyé où, je sais pas. Non, non, non. Non, 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 c'est non. C'est non. Oh, les parapluies des annusseurs.
c'est que cette boule? Oh, l'autre, il invoque des anusseurs, quoi. Non, 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 tu te calmes. Ouais, faut que je passe une bonne nuit, là. Une bonne nuit sur le jeu, là. Que je dorme un peu et que je me rende compte d'à quel point on va pas arriver à faire ce qu'on veut faire. Et qu'il va falloir trimer. Pourquoi les désanusseurs? Je sais pas, je les appelle comme ça depuis 4 ans, ceux-là. The Moon. Alors la question c'est, est-ce que du coup il y a que dans les... Non, on a eu une carte ici alors qu'il n'y avait pas de crâne marqué. J'ai The World dans le doute. Ça a pas l'air si hardcore que ça. Si. J'ai pas encore vraiment eu de... Enfin, il y en a eu au tout début, mais tu sais, la run où tu fais rien, j'ai toujours l'impression d'être sous tension. Après, on est en découverte, donc c'est normal. Hein. Vous savez quoi, je vais prendre Spider Mode. Parce que je suis sûr que ça a été buff. Quand tu repars d'une nouvelle save, le mode hard est pas aussi dur. Bah j'imagine, ouais. Vu que t'as pas encore eu le game got harder. Ah mais attention, c'est pas pareil là. Dad's note. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Ah. Il a dépensé toute la thune, papa. Ah, le bâtard. It's gone. C'était un joueur, c'était un parieur. C'était un parieur, papa. All savings, toutes les économies. Ah, le bâtard. C'est Mausolée 2, mais... Attends, mais c'était déjà Mausolée 2 tout à l'heure, je comprends plus rien. Ah. Le plaisir. On a encore le couteau, hein. Calmez-vous! Attends, mais faut que j'explore là. Oh, l'invisible en plus. Oh, j'ai trouvé une dingue là. J'ai trouvé une dinguerie là. The Moon ou pas The Moon? On remonte le temps là? Mausolée 2, Debs 2. On fait les allers-retours là. Ouais, mais on remonte le temps, en fait. Alors, attendez, parce que je peux remonter le temps dans le temps, vu que j'ai le sablier. Donc, techniquement, avec le sablier, maintenant, je remonte plus le temps, j'avance, je vais dans le futur. Je vais dans le futur. C'était net. J'ai trouvé une dingue, c'est un truc que Christian Clavier pourrait dire. Ah mais il faut mettre l'intonation. Il est self-destructive et disturbe
do. And you're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie! Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave! We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Ok. Donc, papa... Alors, attends, elle s'appelle Maggie, la mère? La mère s'appelle Maggie. Papa, encore bourré. Le fils, donc Isaac, a un comportement autodestructeur, comme son père, apparemment. Il a bu les économies, papa? Oh, merde. Mais en fait, c'est vraiment le pire, quoi. C'est horrible, parce que Isaac aime son père, sûrement parce qu'il s'est barré. Il lui manque. Mais en fait, c'est comporté comme un connard, quoi. Mais en VF, oui, oui. La fameuse VF d'Isaac. C'est marrant parce que les salles sont pas si dures. Ça a vraiment l'air d'être un truc qu'on fait qu'une fois, mais je pense pas. Pas de dialogue. Non, c'est ici qu'il y a plein de nouveaux monstres. C'est un peu bizarre. On va peut-être débloquer un étage alternatif. Il y a plein de nouveaux monstres, mais c'est pas très difficile. En même temps, il y a rien. Il y a pas d'item room, il y a rien. C'est quoi ça? Ça brasse un peu. Ah, mais la mère, elle est full religion, quoi. C'est-à-dire, le père, il est full picole. Full picole, pense pas trop à sa famille, pas grave, c'est sa dépression pour sa gueule. De toute façon, il vit son propre film. Mais la mère, elle est full religion, et du coup, voilà. La mère est full religion, elle lui dit de se repentir, de se confesser, mais lui il a pas l'air d'être du tout full religion, lui il s'en bat les couilles je crois. Wow. Ça me fait pas de dégâts heureusement. Papa est trop Jack Daniel. Rien. On arrive au basement là. On va ressortir en fait. On va ressortir de la trappe. On va les voir se séparer quoi. C'est tragique. Il est bien plus beau le Spider Baby, ça se passe bien mieux qu'avant. Il y a un truc avec le couteau, on va tuer notre mère, on va lui mettre un couteau. Non. Il y a une musique, elle est pas mal hein. Ah mais pour ridiculon. Il y a un petit thème, il y a un truc. Tu sens que c'est un moment important, quoi. Ah. Pas de dialogue alors qu'on arrive à basement.
Il se barre le bâtard. Ok, donc elle lui dit de pas s'en aller, il dit je fais plus de mal que de bien, je dois me barrer, je suis désolé. Elle le supplie et il se barre quand même et il dit à la fin je suis désolé Isaac. Ok. Ça se trouve elle l'a fumé hein, ça se trouve elle l'a planté le daron en fait hein. Ça se trouve, elle l'a planté. Non mais j'avoue, dans le chat, ils disent elle l'a fumé, mais ça se trouve, ouais. Hein. Et ça se trouve, c'est pour ça qu'Isaac en a vraiment peur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, et ça on voulait le faire dans Stillbirth, hein. Aïe aïe aïe. La mer full religion, happé par la télé et les émissions d'évangélisme, là. De preacher, là. Papa qui est rayé sur toutes les photos, là. Guppy. Qu'on récupère des détails, parce que ça se trouve, c'est vraiment chiant de revenir, là. Mom's purse, la Bible, les jouets confisqués sous le lit, Mom's lipstick, Mom's perfume, Mom's eyeshadow, Mom's box, the red key is up in the basement. Oh, ah, ils en ont fait un vrai objet de la red key en fait. Oh là là. Arrête, j'ai peur! Pardon? Oui, bah ça a l'air bien ça encore! Il fait des allers-retours, ok. Putain, j'ai pris la phase absolue, quoi. Connard man. Allô? I'm dead anyway. Faut arrêter monsieur. Il est où le bordel? En train de se battre contre la télé christianique là. Arrête! Je vais rire mou. Je vais tellement rire mou quand encore une fois je vais perdre ce genre de fight que je pourrais first try.
Il va faire quoi? Il va faire une dinguerie. C'est un peu... Ah! First try du premier coup. Justice. C'est le retour de justice. Aïe. Ah, pourquoi j'ai pas une vraie run là? Pourquoi j'ai de la merde? Oh, Isaac 2D confirmed! Ah, faut battre les 4, hein. On les voit derrière. Faut battre les cavaliers de l'apocalypse. Oh la dinguerie! Est-ce que je peux dire SPP que c'est une dingue ou pas là? Est-ce que je peux le dire? Je peux même te faire le Christian Clavier là. C'est une dingue! Ah non, pas du tout, c'était pas du tout. Oh, cousin Hubert! Arrête! J'ai dormi 4h30 pour ça là. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça valait le coup. Allez, allez, deux. Oh putain, j'ai failli prendre ça. Viens là, War. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est extraordinaire, en vrai. Ah, dommage. J'ai vraiment pas assez de cœur, par contre, pour m'amuser, là. Bah oui, bien sûr. Adieu. Adieu. Ah, j'avais tué le troisième. Ah, mais j'avais pas de build. Avec un vrai build. Merci Silvercross pour les 1000 bits. Des gros bisous. Oh là là. Merci Couteau pour les 3 mois tout à l'heure. J'espère que j'ai loupé personne. Il y a eu beaucoup de j'étais là. Je vais en mettre quelques-uns quand même. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Merci Badushka pour le Prime Gaming. Des bisous. Un petit clown. Un petit clown, comme ça. La Red Key, bah, je pouvais rien en faire, je pouvais pas l'utiliser en fait. Merci Kevera pour le Prime Gaming, merci beaucoup. Ouah. La musique a encore changé ou c'est moi? Non. Secret 429. J'en ai eu qu'un secret là? J'ai débloqué quoi comme secret? La Red Key. L'autre côté vous appelle. Oh, mais ça se trouve, il y a d'autres côtés. Oh là là. Ça a l'air infini, le jeu. Ça ressemble au boss final. Mais ça se trouve, la Red Key, elle te sert à aller faire un autre chemin quelque part. Hein.
Merci Martoni pour les 5 mois. Merci beaucoup. Merci Deathmania pour les 5 subs offerts à la commu. Merci. Un petit clown, comme ça. Ouais, on a vu un truc, mais ça compte pas, quoi. Oh, ça a rien compté, rien! Rin, j'ai rien eu! Tout ça pour rien, quoi. RIP 2, ouais, c'est vrai. 2 RIP. Et ça, 429. Marathon nocturne, par pitié. Non mais là, j'en refais une petite, là. Hein. Petite der, faut dormir, non mais une der. Oh, Azazel. On peut faire Azazel, mais Azazel, c'est pas sûr que ça passe non plus, hein. On peut se faire une petite der avec Azazel, ouais, un peu. Azazel a The Fool en plus, donc on est sûr de pouvoir revenir en arrière. Normalement, Azazel a The Fool. Bon, allez. La Revenga. Ouah, le skin. Ça a été nerf à Zazel ou quoi? Ah ouais. Oh là là. Oh, le laser, il dure une demi-seconde. Oh, bah jamais on gagne, en fait. Hein. Après, il fait peut-être plus de dégâts, par contre. Il a l'air de faire plus de dégâts qu'avant. Mais il est plus court. J'essaie avec le Polaroid cette fois par contre, non? Je pense pas que ça change grand chose en vrai. Comment on passe à Repentance? Il faut avoir tous les DLC dont Repentance. Il charge plus vite, ça c'est pas sûr. Hein. Oh là là! En fait, le truc, c'est que ça a l'air quand même assez long d'aller là-bas. Ça a l'air très lourd en lore de passer à chaque fois par là-bas. Je sais pas si ça, c'est exactement la même chose à chaque fois. Pas besoin du couteau, hein. Pas besoin du couteau, mais en vrai, du coup, c'est facile, entre guillemets, d'y accéder. À ce truc. T'as juste besoin d'une carte de téléportation jusque-là. De ce que je comprends. On a vécu un grand moment. En vrai, je pense que... Ça doit pas y avoir beaucoup de gens qui y sont déjà allés. Hein. Après, on a pris beaucoup de temps pour faire les challenges. Donc en vrai, si, il doit y avoir quand même pas mal de gens qui s'y sont pointés là-bas, mais... Pour une première journée, c'est beau qu'on y soit, quoi. Ouais, je prends. Il a up le compteur de rip ou il est vraiment à 2 rip seulement? Je suis à 2. Hein. Ça, je prends, hein. Oh, les dégâts, c'est pas ouf, hein. Ouais, on sait, c'est pas ouf. C'est peut-être pas le meilleur bail, Azazel, hein. Si on trouve pas des trucs dingues derrière, on va pas être bien bien. La range avec Azazel, c'est bon.
Regarde le pourcentage de Steam des gens qui ont la red key pour ça. Je crois que c'était écrit 0,1%. Mais il y en a beaucoup qui sont à 0,1%. La théorie, c'est que les crânes marqués drop toujours des œufs full dans ce but-là. Ah, possible. Hein. C'est vrai que les crânes marqués nous ont looté que The Fool pour l'instant. La red key, je pouvais pas l'utiliser tout à l'heure, mais normalement, ça ouvre des salles qui sont pas accessibles de base. Merci à Poserus pour le Prime et Dareka pour le Prime aussi. Keke de Waza pour les 3 mois, GG. Diamond Low pour le sub, merci beaucoup. Merci pour tous les subs et resubs. Il y a eu un The World ? Je sais pas, honnêtement, je me rappelle plus. Oh, la range sur Azazel, ça fait tellement le café. Ah, tout ça pour y retourner et mourir, quoi. En vrai, par contre, j'avais pas un gros build et je leur faisais des bons dégâts, donc j'imagine pas, avec un vrai build, t'arrives, tu mets 3 coups de couteau, y'a plus personne, quoi. Je suis allé dans la porte de Debs, ouais. Je suis allé droit dedans. Damage fix. Je pense pas, hein, c'est vraiment pas leur délire de faire des boss à armure, l'équipe d'Antiburst. Mais du coup, c'est validé que c'est pas que Antiburst, quoi. Jusque-là, aujourd'hui, on a vu des belles choses de, qui viennent d'Antiburst, mais là, ça, c'est pas Antiburst. Le petit boss avant, là, il était bien aussi, le boss de la télé, là. Putain. Tellement stylé. J'ai trouvé d'autres portes? Non, j'ai trouvé que celle-là, en vrai. Bah, y a que celle-là qui sait où on m'a indiqué il y a une porte là. Le jeu m'a dit il y a une porte là une fois que j'ai tué le The Witness, non? Ah. C'est Dogma qui s'appelle le boss? J'avoue qu'après les 4 cavaliers, il y a l'air d'avoir le type derrière, quoi. En vrai, ça. En vrai, Judas Tong, ça devient un vrai trinket, hein, par contre. Hein. Up de Judas Tong avec le changement des Devil Deal. En fait, le Brimstone d'Azazel a l'air de rester beaucoup moins longtemps à l'écran. Ce qui fait qu'on peut beaucoup moins se faire plaisir, en fait. C'est chiant, je peux ni prendre ça. Je peux prendre le cœur bleu, la carte, mais... C'était quoi ici déjà? De la merde, faut que je fasse des rolls. Comment je peux être encore en train de jouer à ce jeu? Au bout de 12 heures, j'ai dormi 4h30 en tout aujourd'hui, quoi. Beaucoup de plaisir. Le dogme religieux, j'ai l'impression que tu pouvais l'éviter en passant derrière le canap. Non, parce que j'avais pas le contrôle sur la manette, en fait. Ouais, il est trop stylé, lui, maintenant. La bonne run Godroom. Dogma, je crois que c'est une référence biblique. Putain. T'es pas sûr. Hein. T'es pas sûr quand même. Ah, mais par contre, c'est vrai que je fais le malin. Mais en vrai, t'as que 6 étages pour avoir un build pour aller voir Dogma et tout là. Donc je suis en mode oui, je faisais quand même des dégâts. Bah ouais, mais il y a que 6 étages. Donc bon, tu trouves un couteau, t'es content, mais tu trouves pas de couteau, t'as que 6 étages. Quoi. Bah techniquement, tu peux avoir plus d'étages si tu passes chercher le couteau. Puisqu'en allant chercher le couteau, tu peux arnaquer des items de boss et tout. The Fool, les The Fool.
Choper, non, les items rollback, il y avait des items room, il n'y avait rien dedans. Un air Evangelion. Je connais pas Evangelion. Ça rappellera des choses à Mintos, mais pas à moi. J'ai que 17% pour Agodrome parce que c'est les vraies chances. En fait, c'était déjà le cas avant. Avant, en fait, vous aviez écrit 36% de chances d'avoir un Devil Deal. Et ensuite, 50% de chances que ce Devil Deal soit transformé en Godroom. Donc en fait, c'est 36 divisé par 2 pour chaque. Juste que le jeu avait une façon de te noter ça très dégueulasse. Maintenant, c'est la façon qui te dit exactement les chances que t'as de chaque truc. En vrai, c'est mieux. Ça permet... ça évite les confusions, quoi. Donne-toi à fond. Ah bah c'est là ou jamais en vrai, parce que si j'y arrive pas... Là je vais me coucher, il sera minuit max. On fait demain le bordel après. Hein. C'est maintenant ou jamais. Hein. Et bon, le Azazel a pas l'air extraordinaire. Donc ça va être compliqué. Demain, quelle heure? Je pense qu'entre 11h et midi, je serai là. Pourquoi j'ai pas pris Piggy Bank? Oh, c'est pas ouf, quand même. Si je peux garder mes thunes, je le fais. Ouais. Oh, tiens, tiens, tiens. Je vais voir l'item room en prio, je vais garder ma clé. Je pouvais rien faire de la key. Hein. Cœur. Il est où mon Magic Mush? Il est où mon Magic Mush? On l'a pas vu de la journée. Il existe encore l'objet ou comment ça se passe? Ah bon. Il y avait The Stars pour l'item room. Si c'est le cas, je suis désolé. Je suis confus. Je suis fatigué là. Je suis très fatigué. J'ai très très envie d'aller me coucher. On peut pas reroll les coffres. Point, 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 point. Mais il est enlevé du pool de la boss room. Oui, mais... C'est le coup dur, quand même. Hein. C'est le coup dur, Magic Mush, enlevé de la boss room. Coup dur. Même quand ils dépopent pas les coffres, on peut pas les roll de toute façon. Bon, j'ai des pièces, à part ça. Mais du coup, attends, comme je suis pas passé aux mines, etc., ça se trouve, le négatif, il va m'envoyer dans le passé, mais... que des étages que j'ai fait, en fait. Oh là là. Il ressemble beaucoup trop à l'autre maintenant, par contre.
qui est le meilleur brimstone. Yes. Yes. Oh, le call est difficile. On va sûrement prendre les deux. Hein. Ok, un vrai Devil Deal là. Ça, ça vient avec moi maintenant. Allez, c'est parti. Du changement avec les reskins des Tinted Rock, déjà que le jeu a l'air de vouloir nous désanusser. Les Tinted Rock, je crois pas. Je crois que les rochers marqués, on en a pas vu beaucoup aujourd'hui, mais quand on en voit, ils sont normaux. On a même vu le Small Rock. Je crois que ça va. Bon, ça, plus 10 de luck. Alors, c'est un trinket, faut faire tout un étage sans prendre de dégâts. C'est un trinket qui donne 10 de luck, mais quand vous faites toucher, il disparaît. Mais tant que t'es en flawless, tant que tu prends pas de dégâts, t'es bien. Je suis tombé sur la Psyfly qui est complètement insane. Voilà. Je me rappelle plus où je l'ai trouvé, je crois au chest. C'était totalement pété. En vrai, je peux faire ça. Hein. The sun. Judas Tong fait quoi maintenant? Normalement, c'est toujours la même chose. Non, ça t'énerve, Judas Tong, je crois pas. En parlant de rocher marqué. Judas Tong, en gros, c'est... Tous les Devil Deal coûtent un cœur rouge, max. Même ceux qui coûtent 2. Je sais pas comment ça se passe, par contre, pour ceux qui coûtent un cœur rouge et 2 cœurs bleus. Le trinket a tenu parce que c'est vraiment que quand on prend un coup des ennemis. Tu peux prendre un coup dans la Curse Room, c'est pas grave. T'as le droit. On va garder le full vie. Hein. C'est le dernier try de la soirée. Ah, pour le streaking, oui, le A+, il le faut vraiment. Si tu veux streaker le jeu, A+, c'est beaucoup trop pété. Hein. Ça devient mandatory au début de la game. Hein. C'est beaucoup trop fort, en fait. Ça permet de stonks les consommables, de stonks... énormément peut-être d'objets de boss puisque tu vas avoir plus de coffres et tout. Par contre il me faut une clé hein, s'il vous plaît. Pas de clé. On va retourner en arrière pour essayer d'en avoir une. Hop, hop, tic, 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 tic. Oh, c'est bon ça. Putain, mais il me le donne en deux fois à chaque fois, c'est tellement rageant. Mais j'ai 11 de luck. Ah, c'est pour ça aussi. Le Bonto, il est full influencé par la luck, j'aurais jamais dû faire ça.
File juste une clé, quoi. Où ça? Où ça? On peut toujours pas. Ah, mais j'ai réussi à arnaquer là. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure? Que les challenge rooms maintenant on rappelle, il faut vraiment un cœur. Les cœurs bleus comptent. Donc genre il faut un cœur max, grand max. Et un cœur grand max, c'est chaud, quoi. Même si ça donne des objets qui ont l'air plutôt bons, c'est compliqué. Les cœurs squelettes, c'est des cœurs qui prennent 3 coups au lieu de 2. Et qui protègent des... Comment dire? Des Devil Deal. Enfin, si tu prends des coups dedans, tu perds pas ton Devil Deal. Spin to win, let it rip. Non. Non, j'en ai rien à foutre, on le retrouvera. Il y a écrit Let it RIP. Non. RIP, c'est non. Il y a écrit RIP, je prends pas. C'est non. J'étais rentré avec I Can See Forever. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait à l'étage? Un effet de la Satanic Bible? Maintenant elle fait ça la Satanic Bible? En vrai ça peut donner des trucs bien hein, mais... Si c'est que quand t'as la Satanic Bible, en vrai c'est pas si grave. Je vais me prendre une vieille règle à la con de genre aller sur le nouveau, la nouvelle fin avec Satanic Bible et puis mourir instant. Quoi. Adieu la luck. C'était bien. J'ai bien aimé le moment où j'avais 10 de luck. C'est bien la Satanic Bible qui fait ça du coup. Bah en vrai c'est pas si grave quoi. Par contre, on est là pour tenter avec le Polaroid de passer la porte là. Qui dit que ça fait? Qui dit que ça le passe en fait? Ça se trouve on va avoir un truc totalement différent. Hein. For science. Ouais, mais j'ai le seum si ça le fait pas, quoi. Parce que là, je pense que j'ai un build qui passe les boss de mort. Hein. C'est bizarre parce que là, tu vois, j'ai pas l'impression que le jeu est plus rapide sur certains mobs. Genre là, les fameux méga fatis, enfin les fatis qui sautent là, hein, et qui font des larmes en retombant, j'ai pas l'impression que leurs larmes sont plus rapides. J'ai l'impression que les larmes plus rapides, c'est sur quelques mobs, genre les mots violets, les mouches de basement. Je mettrai les VOD quand, normalement demain sur YouTube, il y en a qui arrivent, mais vu que genre il y en a une dizaine, je sais pas si j'arriverai à tout mettre quoi.
J'ai déjà envie de canner à l'idée de faire toutes mes miniatures là. C'était pour certains mobs et pas pour tous. Ouais. On est d'accord qu'il y a plein de mobs qui sont pas plus rapides qu'avant. Il me faut un atomium. Ouais, il me faudrait. Hein. Il faudrait que je recrute quelqu'un de confiance pour faire des... tout ça, mais non. De toute façon, le jour où je recrute quelqu'un pour s'occuper de ma chaîne YouTube, je suis obligé de faire le truc que je veux pas faire avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire la monétiser. Parce qu'il faut bien payer la personne qui fait ça. Donc, bon. On n'y est pas. Je suis en plein dilemme, moi. Je suis en plein dilemme sur les pubs. Ah, je suis fatigué. Tot. J'avoue, je mets une grande VOD avec tout le découpage. Non. On va faire ça bien, ça va me prendre du temps, mais on va faire ça bien. Le plus lourd est déjà préparé, là. Le plus chiant, ça va être de découper les VOD, de les envoyer une par une. Gimpy. La chaîne YouTube est pas monétisée, non. En fait, des fois, il y a des vidéos, il y a des pubs dessus, mais c'est pas pour moi l'argent. C'est parce qu'il y a une musique de jeu vidéo ou quoi qui est copyright, et du coup, YouTube prend l'argent, ou les ayants droit prennent l'argent. C'est pas pour moi. Mais genre, on peut trade un squelettique pour... Ouais. Oh, je prends tout, ouais, je m'en fous. Il y a la porte. C'est quoi cette porte? Vous êtes pas prêts. Hein. Vous êtes pas prêts! Si les cavaliers sont à la fin, c'est-à-dire qu'il faut plus les avoir en boss normaux. Bah si, je pense. Si j'avais encore ma luck. Elle est pas chaude la machine là. Je vais relaisser les cinématiques, quoi. Ne vous inquiétez pas. Toudoum. Les pires monstres. J'ai l'impression qu'elles décèdent toutes seules, les araignées, là. C'est un peu bizarre. Succubus, ah ok. J'arrive juste à... J'ai plus les yeux en fait. Mes yeux ne fonctionnent plus. On est parti pour la dinguerie là. Maintenant on comprend mieux la porte, hein, de fait. Maintenant que je vois le skin de la porte, je comprends. Hein. Maintenant que je vois le sprite, je suis en mode oui, de fait. Ouais. Il y avait un crâne marqué à droite. Attendez, faites voir pour vérifier la fameuse théorie là. Crâne marqué pas là du coup. Là. Ah. Ça a l'air d'être que des œufs foules en effet. Bah attention parce que c'est un peu... c'est à double tranchant ça.
T'es sûr d'en avoir un ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Strix the Lost, quand même, tu te mets bien, quoi. En Strix the Lost, si t'arrives à survivre jusqu'à Depths 2, y a un The Fool quelque part. En vrai, là, ça peut plus être de la coïncidence à ce stade-là. Hein. C'est quoi la porte? Éveillez votre curiosité, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêt. You are not prepared. Ça a été changé, Broken Modem? Je suis sûr que c'est encore de la merde. Vous n'êtes pas prêt. Merci Biaki pour les 6 mois de Prime Gaming. Vous êtes vraiment pas prêt. Vous pouvez même pas imaginer. Yes. Quoique. Donc Polaroid ou négatif, same deal quoi. J'arrive où du coup? J'arrive quand même à Géna quoi. J'arrive quand même sur une version du mausolée. On fait pas un vrai backtrack. Oh ouais, super. C'est pas le backtrack réel. Hein. Du coup, t'as peut-être des item room. À vérifier. Hein. À vérifier. Justice. J'ai confiance. J'ai peut-être eu un peu confiance quand même. Aïe. Fermé l'item room. Hein. Oh! Ah, donc de fait, j'ai accès aux objets. Celtic Cross. Le backtrack, c'est après cet étage-là? C'est pas encore le backtrack là. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas au backtrack. Et je crois que tout à l'heure, j'avais quand même pas d'item room ici. Spider mode. Oh merde, la revanche. La revanche du spider mode. Elle a bien remonté cette machine, hein. Ici, c'était juste un mausolée normal. Midnight Snack. Attention, c'est parti. On n'a pas relayé dialogue par contre ?
c'est les bébés Krampus en fait. On a eu les dialogues qu'une fois, quoi. Donc là, par contre, c'est le vrai backtrack, là. On peut pas avoir d'objet. Attention, on peut en avoir dans les coffres, en vrai. C'est le vrai backtrack, mais les layouts sont pas les mêmes, j'ai l'impression, quand même. Nul que t'aies pas les dialogues à chaque fois. Bah, en vrai, ce serait un peu bizarre, quand même. L'objet de boss est resté, hein. Même ça, ça reste. C'est marrant parce que là, le David Lille, j'aurais pu, par exemple, ne pas avoir les ressources tout à l'heure et pouvoir le prendre maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. La clé rouge, ça fonctionnait bien comme ça, hein. C'est le truc qui rajoutait des salles entre les salles. Et là, j'ai eu un morceau de clé rouge. Oh, de la range, parfait. Ça se trouve, il y a du truc caché là-dedans, en fait. Ça se trouve, grâce à la clé rouge, tu peux accéder à des morceaux de salle avec des trucs cachés dedans. Oh. Je sais pas, c'est bizarre. Of the Void ne drop plus de cœur noir, non. Ça donne plus de dégâts up non plus. C'est vraiment le fun. J'avais pas de clé, donc j'avais pas pu aller à l'item room, non, je sais pas. Ce qui est un peu con, c'est que tous ces mobs, on va les voir qu'ici. Ils sont trop bien, les mobs de la zone, là. Je l'avais juste pas pris, hein. Régumane, hein, le vrai, hein. Elle est arrivée, le chat. Parce quoi là, vous êtes pas prêts. On arrive à la maison déjà. Merci Biaki pour les 6 mois de Prime Gaming et Skullcrash pour les 2 mois Prime Gaming. Le Prime doit se réveiller. Merci beaucoup.
Ah, c'est toujours une ressource aléatoire. Si on avait une pièce tout à l'heure. Bon, la télé, on peut rien vesqui, hein. Ah, ouais, bah attends, quoi? Ah, c'est toujours un objet de mom. Genre, j'ai eu la red kit tout à l'heure. C'est random, ouais. Mais je pense que la première fois, t'as peut-être la red key obligatoire. Bombe sur le tapis, je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. On s'est scripté, en fait. Peut-être passer derrière le canapé, par contre, ouais. Je sais pas, faudrait voir d'aller en dessous. Ouais. Me dérange pas de le fight, lui, on va dire. Ouais, en fait, quand même un peu. Qui sait, pour reprendre les mêmes phases mytho que tout à l'heure. What? Mais il fait des... Mais il fait des dingueries, là! Mais arrête de faire des dingueries! Il a pas été aussi mytho tout à l'heure. Oh, j'ai perdu tellement de vie, je vais encore mourir. Putain, s'il faut pas mieux jouer que le laser, en fait. Avec de la speed, cette phase-là, ça passe un peu mieux, en vrai. Son laser, au début, là, je kiffe pas du tout, quoi. Quel connard, je suis vraiment le pire joueur ever. Bah, je vais encore lose, hein, c'est sûr et certain. Hein. On fait plus de dégâts avec Mother, oui. C'est lose! Est-ce qu'on a une cinématique? T'avais Regen tout à l'heure? Ah ouais? Merci Ragnarol pour le Prime Gaming. Mais si, ce boss là tu le passes, mais il faut juste apprendre bien les patterns et pas faire de la merde. Le coup des lasers, en fait, ça se fait, il faut juste que je comprenne un peu, genre, où est-ce que pop le premier laser, ou ensuite bien te placer au moment où il fait l'aller-retour. Là vous êtes pas prêt, je pense. Ah, déjà vous étiez pas prêt, mais là vous êtes pas prêt. J'enlève la cam pour que vous soyez en plein écran. Ah bah non, mais c'est vrai que ça sert à rien, on n'est pas en plein écran. Je suis fatigué, putain. J'ai rien regagné en cœur. Hein. J'ai bien rien regagné du tout. J'ai bien rien gagné. Et puis le fait de devoir aller au corps à corps, c'est un plaisir. Hein. C'est trop chiant de devoir aller au cac. C'est chaud. Compliqué. Ah, je gagne des charges de Satanic Bible par contre. Oh, il y a... Petit bâtard. Arrête! Quoi? Ah ouais, d'accord, elle fait des trucs, elle fait des dingueries en fait.
Oui, tout à l'heure, il m'a fait des trucs chelous, là. Ok, you dead. Il y a même une batterie. Petite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas lui mettre de dégâts. Okay. Tu peux dire. Petit bâtard, va. Mais quel bâtard! Ah oui, d'accord, non mais ok. C'est mort. Ah, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Le brimstone, tu le vois pas arriver en fait. Genre à quel moment tu sais qu'il va brimstone en fait? Là? Et là en fait. Et après il rush ce bâtard. Oh mais ça tombe! Aïe 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 aïe. Ah putain, demain quoi! Coup dur. Oh. Non, en vrai, c'est pas si difficile que ça. Faut connaître les patterns, c'est tout. En vrai, c'est le coup de la première fois, c'est chaud. Mais en vrai, une fois que tu sais qu'il va faire le brimstone, une fois que tu sais qu'il va rush, en vrai, ça va quoi. En vrai, ça va, mais si tu connais pas, c'est compliqué, quoi. Je peux y aller sans voler, hein. Maintenant que je connais le pattern, je vais surtout aller me coucher, quoi. Mais c'est beau, hein. C'est beau. C'est magnifique. 3. Putain, on n'aura pas débloqué de secret là-dessus, hein.